ne parle pas la parole, on pratique la parole. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez la différence entre la zone de production et la zone de destruction, c'est le bruit. Là où il y a la mort, il n'y a aucun bruit. Mais là où les choses se produisent, il y a du bruit. Si le miracle est en train de se faire ici, je vais entendre le bruit que produit le miracle maintenant. Alléluia. La Bible dit il y avait un lieu qui était maudit qui s'appelait Jéricho. Et les gens vivaient, ils avaient construit la ville. Mais la vie n'était pas aisée à l'endroit. Et ils sont allés vers le prophète Élisée. Et ils ont demandé au prophète Élisée. Et le prophète Élisée a dit, apportez-moi du sel et un vase neuf. Amen. Vous savez pourquoi il a demandé le sel et le vase neuf? Parce que Josué avait maudit la ville avec le sel. Il fallait que quelqu'un voie l'origine de la souffrance. Pendant que je vous dis ça, je suis en train de voir quelqu'un ici qui s'appelle un gamin coup. Tu es là, tu t'appelles un gamin coup. Un gamin coup, un zébo. Viens rapidement, je prie pour toi. Quelqu'un sort sa pièce d'identité, on va faire les déprogrammations. Sors ta pièce d'identité, on va faire les déprogrammations cette année. Sors ta pièce et nous prions. Je déclare sur ta vie ta délivrance maintenant. Tu me dis amen fort. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je déclare que tout lieu où tes papiers ont été saisis cette année, cela est débloqué maintenant au nom de Jésus. Tout agenda diabolique dans lequel ton nom était inscrit, j'enlève ton nom en cette année 2020. Tu me dis amen fort. Je déclare et je décrète ta libération maintenant même. Amen. Dis-moi amen très fort. Amen. Dis-moi amen très fort. Amen. Toute décision de mort et d'accident, toute décision de contagion dans la maladie, toute infection, tout sort qu'on veut te lancer, j'annule cela par le sang de Jésus. Celui qui me donne le plus grand amen est libéré ce soir. Amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Là où tes finances ont été saisies, je déclare la libération de tes finances. Je déclare toute dette maintenant annulée au nom de Jésus. J'ai dit, je vais juste prier pour quelqu'un. Est-ce que la personne est là? Oui, cette personne, qu'elle aille prophétiser. Amen. Je suis en train de regarder, j'entends ce nom, mais c'est comme si la personne est née le 18 décembre. Où tu es? Viens rapidement. Quand il y a eu le don, j'ai prié aussi pour l'esprit de sagesse. Ne faut pas t'inquiéter. La personne est là. Amen. Lève ton document comme ça. C'est ta femme. Mais pourquoi elle ne veut pas venir? Elle n'est pas là. Je suis que c'est ta femme. Viens ici, viens, viens. Viens rapidement. Toi et moi, on se connaît quelque part. On se connaît quelque part. On s'est une fois vu. On s'est une fois salué. On ne s'est jamais rencontré. Mais qui s'appelle Karine? C'est toi qui t'appelles Karine. Quelque chose de fort en train d'arriver dans cette salle. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Je déclare sur ta vie toute malédiction qui venait de tes parents annulée au nom de Jésus. Je déclare toute malédiction annulée au nom de Jésus. Tu me dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Tu reçois au nom de Jésus. Frère, pendant que je suis en train de te regarder, pendant qu'on parlait du chiffre 4, j'étais en train de voir dans les reins de l'esprit, comme si cette dame dont le Seigneur parlait tout à l'heure, hein,
C'est comme si elle a entrepris, mais je la vois comme dans les trucs de beauté, comme maquillage, esthétique. Hein? Ah, c'est ça, vous confirmez. C'est comme ça votre bénédiction est confirmée en 2020. Et je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, hein? Pendant que je vois la scène, elle-même là, c'est comme elle est née en 88. Hein, c'est ça? Ok, aujourd'hui sa destinée est libérée. Pendant que je suis en train de te parler, toi-même je vois l'appel de Dieu sur ta vie. Je te vois beaucoup prêcher. Tu comprends? Mais je vois une grâce prophétique descendre sur toi. Une grâce où tu entends la voix de Dieu audiblement. Ton dernier enfant qui est né, c'est comme si Dieu t'a dit que ta femme va tomber enceinte. Hein? Hein? Alléluia! Alléluia! Tu te tiens debout, tu dis amen fort! Alléluia! Alléluia! C'est ça, mais c'est pas ça. Tu as expliqué ça à quelqu'un ici? Je suis censé savoir ça. L'enfant là, son nom, c'est comme c'est Liam. Liam! Hein? Lève les deux vers le ciel, dis Père! Ouvre tes yeux sur ma vie et que cette année aucun piège de l'ennemi ne puisse m'atteindre, aucune flèche de l'adversaire ne puisse me toucher. Éternel, éternel, pendant que je tourne comme ça sur moi, tout malheur programmé contre moi est retourné à les serviteurs, est retourné à les serviteurs au nom de Jésus. Écoute-moi. Normalement, sa femme doit tomber encore enceinte. Tu comprends? Mais elle ne veut plus tomber enceinte. Pour le dernier enfant, tu as beaucoup négocié. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tu veux quoi? C'est programmé. On fait comment? Alléluia! Alléluia! C'est fait. Thank you very much. Hallelujah.